les amis, une nouvelle journée qui commence. Donc hier, on a très bien avancé. Marine a fini de nettoyer tous les joints des galets. Donc voilà le résultat. Vous voyez, c'est magnifique. Autant de ce côté que de l'autre. Donc ça, c'est super. C'est très joli. Elle a sorti tous les galets qui étaient pétés. C'est pour ça qu'il y a des trous. Donc ceux-là, on va les remplacer, on va en mettre d'autres. Sur le même principe. Nous, de notre côté, avec Bertrand, on a commencé les ébraisements en haut. Les premières plaques des placos. C'est trop bien. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on va continuer les ébraisements en haut. Après, on fera les ébraisements sur les côtés. Et voilà. On continue. Voilà les amis, Marine a quasiment terminé du coup de restructurer le mur en galet. Donc tous les petits endroits où vous voyez ici que c'est plus foncé, c'est là où elle a remis des galets. Elle a enlevé les pétés, elle a remis des neufs. Donc pour information, elle a utilisé de la chaux. Donc la chaux, hop. Il y en a ici. Oui, vous avez vu, il n'y a pas eu. Donc la chaux, c'est de la chaux qu'on a acheté à Point P. Chaux matière essence, voilà, c'est de la chaux classique, hein, hydraulique naturelle. Donc pour le mélange, je vous l'affiche maintenant. Voilà, ça c'est ce qu'on a principalement utilisé pour remettre les galets, sachant que voilà, après bien entendu, donc ça c'est uniquement pour les faire tenir. Donc comme vous voyez, elle en a mis tout autour, hein. C'est pas des chefs-d'œuvre, on s'en fiche. C'est principalement pour les faire tenir, puisque nous derrière on va revenir faire les joints à la chaux avec la couleur qu'on a choisie tout autour. Mais voilà, donc on ne voit que du feu, on est très content. Marine a fait du très très beau boulot. Bravo Marine! Bravo! Vive-moi! Et voilà, et vous voyez également que le beau-père avance bien, MacGyver. Regardez ça, si c'est pas beau, les premiers placos. Bon, les prochains, ils vont pas arriver avant un petit moment. Hein. Croyez pas avoir des placos de suite. D'abord, il y aura toute l'électricité à faire, les poutres à poncer. Mais ça avance. Ça avance, c'est très très bien. Allez, sur ce, on continue.
petite aparté du coup durant les travaux. Je voulais montrer quand même tellement nos amis sont heureux d'être ici. Regardez comment Coin-Coin s'est équipé. Il a carrément ramené son petit chariot. Alors déjà, il a ramené ses sacs hein, de son entreprise. Je ne dirai pas laquelle c'est. Je pense que vous l'avez deviné. Mais en plus de ça, il s'est ramené son petit chariot qui trimballe comme un petit vieux avec son déambulateur. Hein, c'est pas beau, ça? Oui. Oui. Donc voilà, donc vous voyez, hein, nos employés sont heureux ici. Nos amis, pardon. Nos amis sont très heureux. Esclaves, pas employés. Ah, voilà. Ouais. Ça c'est ce qu'il dit, mais il adore être esclave. Bon, mais en tout cas, voilà, c'est cool. Comme vous voyez, il fait du super boulot encore. Hein. Du coup, il nous vide le garage. Alors, ça se voit pas trop là avec la fumée. Hop là, regardez. Donc, du coup, il a super bien vidé déjà en hauteur, en longueur. On était quand même à la moitié du garage. Je sais pas si vous vous en souvenez. Donc, c'est très bien. On le vide au maximum parce que, comme je vous disais la dernière fois, on va sûrement faire tomber la totalité de la cheminée. Donc il va y avoir beaucoup de ravins. Plus on en enlève maintenant, plus on sera tranquille par la suite. Allez, on continue. Amis, la journée se termine, une journée de plus sur le chantier. Décidément, ça commence à en faire et ce n'est que le début. Donc, comme vous pouvez le voir, hop, sur le côté, donc du coup, Bertrand a bien avancé du coup sur les pourtours des fenêtres. Donc, du coup, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est trop beau. Voilà, donc on a continué un petit peu partout dans toute la maison. Donc, toutes les fenêtres, ça commence à prendre forme. C'est chouette. Et donc moi j'ai essayé mon petit joujou que je vous ai présenté il y a quelques minutes. Alors c'est qu'un essai, hein, mais le résultat, oulalalala, regardez ça. Avant, après. Autant vous dire que c'est très efficace. Donc nous tarde vraiment de nous y mettre une bonne fois pour toutes, de voir vraiment ces belles poutres se remettre au goût du jour. Et donc voilà, en tout cas merci énormément de continuer à nous suivre, de nous motiver tout au long des vidéos. On est bientôt à la, je ne sais pas trop en fait où on en est, parce que comme on est à la bourre au niveau des vidéos et du chantier, peut-être la 12e, peut-être la 13e, je sais pas, vous me direz en commentaire du coup sur le moment où c'est qu'on en est. Mais en tout cas voilà, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait très plaisir. C'est extraordinaire ce qui se passe, parce que du coup on s'y attendait pas du tout. Ça évolue de jour en jour. Vous commencez même à vous investir sur les commentaires, à nous dire ce que vous en pensez, à nous féliciter, à nous dire ce qui va pas, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc c'est ce qu'on attend de vous. En tout cas, voilà, vous nous motivez, vous nous remontez à bloc, en plus de la famille et des amis qui sont nous et ici présents pendant le chantier. Mais voilà, on vous remercie et on vous dit à très vite pour la suite du chantier. Bisous! Coucou les amis, voilà une journée qui recommence. Je sais que une petite groseille qui est derrière moi. On est allé à Pompier ce matin pour chercher du matériel parce qu'il nous manquait quelques plaques de placo pour MacGyver. Et là voilà, on va décharger le matériel, on va faire un petit tour à la déchetterie. MacGyver lui continue à poser le placo autour des fenêtres. Et voilà, la vie est belle. Et en plus, on a du beau temps.
Voilà les amis, la fin des vacances se termine. Les beaux-parents viennent de partir à l'instant. D'où mes yeux un peu rouges. Je tenais essentiellement à vous remercier Bertrand et Isabelle parce que vous nous avez énormément aidés. On a passé 15 jours fantastiques avec Mélanie. On a super bien avancé sur le chantier, c'est génial. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, en attendant, ben maintenant retour à la vie normale. On va avancer parce que de toute façon, c'est ce qu'on fait depuis le début, donc il n'y a pas de raison que ça change. Voilà. Eh bien, c'est parti, on se change et on continue. Coucou les amis, la famille est réunie avec notre petit Montois pour vous faire une petite vidéo bonus concernant la chambre parentale. Et oui, comme vous le savez, du coup, on a détruit les cloisons de l'étage, toutes les cloisons de l'étage. Et donc, du coup, ben, ça pousse à l'imagination d'un point de vue plan et on chamboule tout. On vous montre ça de suite. Donc, voilà. Donc là, on arrive sur le palier, donc cet escalier, il y sera encore. Cet escalier, il sera remplacé. On monte à l'étage, hop. On arrive du coup devant la porte de chambre parentale. Donc ici, porte en 83 à galandage. On rentre, on tombe directement, non pas sur une piscine, sur le lit. Un petit lit, 170 par 200. Avec du coup, qui sera encastré dans un des murs avec une petite niche au-dessus de la tête qui nous servira de tête de lit. À notre gauche, hop, directement ouvert, tout ça, ça sera le dressing. Donc petit dressing confectionné par MacGyver, il nous a fait la cuisine, il nous fera le placard. Donc placard sur mesure, directement jusqu'au plafond, hauteur 2,60. Ensuite on continue, ici petite ouverture en arche, toute simple. Mais on laisse ouvert. À gauche, on reprend notre idée de départ. Donc ici, cet espace, ça sera la baignoire et la douche, côte à côte dans un même lieu clos. Et à droite, du coup, ben là, ça va être difficile de vous montrer parce qu'il y a encore la cheminée. Mais en gros, dans l'idée, dans le mur du fond, il y aura une double vasque ici. Et tout au fond, contre le mur, le toilette avec l'évacuation vers l'extérieur. Voilà, et après du coup, ce petit recoin que vous voyez ici, en fait, on l'a fait exprès parce que ça sera du coup un placard, un petit placard pour ranger tout ce qui est serviettes de bain, gants, etc., etc. Voilà, on vous montre ça de suite en 3D. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Bisous, bisous! Donc voilà, vu de loin, du coup, la scène. Donc bien entendu, prenez pas compte des couleurs, ni du sol, ni des armoires, ça sera pas du tout comme ça. Mais c'est pour vous montrer l'idée générale de notre future chambre. Donc comme vous voyez, là on va rentrer vraiment dans la chambre pour que vous voyez de plus près. Donc là on se retrouve dans l'angle, donc on voit bien le lit avec la niche sous le cadre, où il y aura directement des spots à l'intérieur. Après un grand dressing que là on n'a pas mis jusqu'au plafond mais normalement qui ira jusqu'au plafond, donc 2,50 m de hauteur. Et après vous voyez la petite arche qui permet à la lumière de rentrer dans la chambre côté salle de bain. La double douche et baignoire derrière une baie vitrée qui sera bien pratique du coup ben, pour avoir les deux dans la même pièce. Et après voilà de l'autre côté du coup la partie toilette. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. On espère que ce plan vous a plu, vous avez vu. Je pense qu'on va être plutôt bien dans cette chambre, même si on va pas y passer les trois quarts de notre temps. Mais bon, c'était important pour nous de s'y sentir bien. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous modifierez certaines choses. Nous, voilà, ça nous plaît, c'est à notre goût. Après, peut-être que voilà, on est ouvert à tout, à toutes les idées, à toutes les propositions. En tout cas, merci de nous suivre. C'était le 20e épisode déjà, en l'espace de 6 mois de travaux, en comptant l'appartement, sinon que 4 mois de la maison. Merci d'être aussi nombreux. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner autant sur YouTube que sur Instagram. Instagram, on y met plein de choses tous les jours en temps réel. C'est plutôt sympa. Et après, ben voilà, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Parce que ça fait toujours plaisir. Et les commentaires, parce que ça nous pousse à en refaire. Dédicace à Rachel et Emilien. Allez, bisous, bisous. Ciao.